Le compostage peut se faire de deux manières, soit dans un composteur, un contenant, soit il peut se faire en tas. C'est bon? Un des gros avantages du composteur en tas, c'est qu'il est très facile, très pratique de l'aérer et de le renouer. Je veux dire, c'est aussi très pratique pour mettre les déchets au cœur du compost et du composteur. Là où sont présents en présence nos amis les décomposeurs, les vers de terre. On met nos déchets au cœur et on recouvre. Avec cette technique, on obtient aussi du très 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 bon compost de très bonne qualité. Celui-ci est bientôt mûr. Cela étant dit, cela peut poser un problème esthétique. Donc on va vous proposer une petite technique pour fabriquer son composteur. Il est très facile de faire son composteur à base de palettes. Donc ce contenant, voilà, très simple à réaliser. On va voir ça comment. Très peu de matériel, une scie sauteuse, un ciseau à bois, un marteau, une équerre, un crayon papier, une perceuse et une visseuse. Et en termes de matériaux, il faut uniquement de la palette et si possible de même longueur. Alors, dans un premier temps, on va dessiner l'encoche qu'on va réaliser. La largeur de l'encoche, c'est l'épaisseur d'une palette. Et au niveau de la hauteur, c'est évidemment à la moitié de la largeur de cette même palette. On va ensuite découper la sauteuse. Et pour terminer le travail, on utilise... Ensuite, c'est tout simple. C'est un petit jeu de Lego. Sachant que les parties du dessus maintiennent les parties du dessous. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a une première technique qui consiste à poser cela ici, à visser de chaque côté pour que ça tienne correctement. Et ensuite, on met le toit. L'affaire est réglée. Donc pour réaliser le toit, c'est assez simple, hein. Ce sont des traverses qui viennent fixer les bandes. Par contre, il est important, c'est que la palette est un bois très fragile, donc c'est de faire des pré-trous afin de ne pas éclater le bois de palette qui est quand même assez fragile. Il existe également une deuxième solution pour consolider le dernier étage, c'est en fixant des petites équerres comme ça à chaque quart. Donc voilà, nos quatre équerres sont posées et le dernier étage est ainsi consolidé. Et donc on peut à nouveau reposer l'autre toit. Enfin, il y a un dernier petit conseil. Si vous arrivez à récupérer des lames de parquet extérieur, vous pouvez les mettre juste en dessous pour éviter que la palette prenne l'eau et se décompose rapidement. Pour moi, c'est fini. Il me reste à vous souhaiter un bon compost et un bon bricolage.